Ok, le truc c'est quoi? Le truc c'est que en tant que consultant ou association ou entreprise liée à l'événementiel, eh bien nos activités sont freinées. Ils sont freinés pourquoi? Parce que tout simplement on est chez soi, donc on est confiné, on manque d'informations par rapport à ce retour d'activité. Donc on peut pas mettre nos actions en place, on peut pas gérer nos équipes. Si tu es dans l'événementiel, eh bien tu as sûrement dû ou tu as sûrement eu un événement qui était en cours, mais malheureusement avec le confinement, eh bien il a été soit reporté ou pire annulé. Et donc nous maintenant on se retrouve dans une position qui fait que eh bien on est confiné, on est chez soi, on ne peut pas forcément agir sur notre événement parce qu'on ne peut pas être en présentiel. Donc on ne peut pas agir sur ce côté logistique. On peut moins agir sur ce côté coordination de l'équipe. Donc tout ça, ce sont des problématiques. Ce sont des problématiques et en fait, je sais qu'il existe encore d'autres problématiques. Si tu es dans le monde de l'événementiel, de la communication, le marketing et si tu es dans ce milieu, on va dire, de rassemblement culturel, eh ben, je sais pertinemment que ton activité est freinée et que soit pendant cette période de confinement ou après période de confinement, eh bien, il va y avoir des problématiques. Et c'est ce que je voulais identifier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait un petit sondage que tu peux retrouver dans la description de là où tu vas retrouver cette vidéo. Un petit sondage tout simple pour pouvoir savoir identifier quels sont tes problèmes par rapport à ton événement, ou je ne sais, le spectacle que tu devais faire par exemple, ou tout simplement le rassemblement culturel que tu avais prévu de faire, eh bien, quelles sont les problématiques pendant et après ce confinement. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais. N'hésite surtout pas à répondre à ce petit sondage que je puisse identifier les problèmes. Et le but de ce sondage, c'est de pouvoir justement essayer d'y répondre. D'accord ? Essayer d'y répondre. Donc, mets tes problématiques dans ce sondage-là. On essaye de regarder et je vais du coup mettre en place, je vais essayer de mettre en place un petit système pour qu'on puisse justement répondre à ces problématiques-là. On puisse répondre à ces problématiques-là et qu'on puisse se sortir pour toi qui es une association ou une entreprise dans l'événementiel ou dans le rassemblement culturel qui au final galère dans ce moment de confinement, qui galère. Et ben le but c'est que voilà, on puisse s'entraider, identifier les problèmes et on puisse se sortir de là, essayer d'apporter des éléments de réponse. Et essayer de on va dire de faire une relance ou de pouvoir redémarrer notre activité lorsque le confinement sera levé, redémarrer notre activité sainement et avec du coup plein d'idées, plein de bonnes choses et surtout des actions qui ont été mises en place en amont pour pouvoir on va dire amortir l'arrêt qui vient de se faire. Donc n'hésite surtout pas à répondre à ce sondage et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo ou lorsque les résultats seront prêts. Donc n'hésite surtout pas à me suivre pour pouvoir voir la réponse de ce sondage. Allez, ciao.